So I'm diligent and obedient, or at least I try. I wish I had a dime for the times I've been criticized. They love to hate, I don't care what they say. Laugh while I listen, staying in my lane with the Lord. I'm in the spirit, never mind. This is for becoming. Even in the fever, baby, cry and get to running. And tell her that you better get your bootstraps up. You're with the army. Ready when the truth act up, nothing can harm me. Yelling from the roof. Salut. C'est drôle de commencer un vlog comme ça, mais je vous promets qu'il devait mieux commencer les vlogs. J'espère que j'aurai une meilleure intro que ça. J'ai des contractions. Je pense que je vais commencer à les timer parce que là, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ils ne veulent pas partir. Je suis en train de monter ça, c'est ma table basse. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant. Oh. Ce que j'ai fait avant. J'installe ça en accéléré et quand je me sens un peu mieux, je vous parle. Parce que là, est-ce que ça fait aussi mal aujourd'hui? Ah! Ça fait aussi mal aujourd'hui. Vous la voyez bouger ou pas? Vous avez vu? J'espère qu'on peut zoomer pour vous montrer. Hein. Vous savez déjà que j'étais pas la reine de ça, mais là, fut-fut quoi. J'ai mis ça dedans, or que ça devait être dehors. Heureusement, j'ai pas totalement vissé. Bref, je change de sens et je vous reprends après. Parce que sinon, ça va être des vidéos trop longues pour rien. Et la seule raison pour laquelle je le montre moi-même, c'est parce qu'il n'y a absolument pas de vide, de perçage ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste vissé quoi. Et désolé pour le bruit, mais comme il y a le ventilateur, c'est pour ça que c'est fort et qu'on entend pas. Parce qu'il fait trop chaud. Que je vous parle de ce que j'ai commandé pour un peu ma famille et une copine à moi. Du coup, je me baladais sur Instagram et j'ai vu une pub. C'est comme ça que je l'ai découvert. Du coup, c'est des versets bibliques à code couleur. C'est trop bien. C'est une fille qui le fait 100% fait main. Donc, c'est un petit business, comme on peut dire. Et ce que j'aime trop par rapport à ça, c'est comment est-ce que c'est unique. Et en plus de ça, c'est personnalisé. Vous voyez, il y a un verset ici et il y a écrit pour Armel. J'en ai pris donc pour Armel. J'ai pris pour ma copine Sandrine. J'en ai commandé un autre, mais qui n'est pas encore arrivé, pour une autre copine à moi. Et j'en ai pris pour ma maman. Et j'en ai pris pour moi-même, bien sûr. Et ce que j'aime trop, en fait, c'est que tu le déposes sur ton bureau. Et tous les jours, tu ouvres et tu en lis un. C'est juste trop top. Je vais vous montrer ce que ça signifie à l'intérieur. Et j'en ai pris un autre pour ma belle-sœur. Donc les deux, si je les laisse là, parce que ça, c'est à eux. Et je peux partir avec le reste. En plus, elle m'a envoyé plein de petits autocollants
à l'intérieur. J'aime trop, c'est pour le Christ, c'est le travail de Dieu. Et voilà, je voulais juste te rappeler à quel point Jésus t'aime. C'est juste trop cute. Et ce que j'aime bien par rapport... Ça, c'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment quelque chose que je fais de moi-même et juste pour lui donner de la force parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est très bien. C'est une bonne initiative et voilà, pourquoi pas. Je vais vous mettre même le lien carrément dans la barre de description. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, je partage juste parce que... Et totalement, gratuitement, tout simplement parce que c'est le travail de Dieu et ça peut permettre, ça peut aider d'autres personnes. Bref, que je vous montre le mien. Ok, donc celui-ci, le but de ces petits pots, en fait, c'est des pots de versets bibliques à code couleur. Donc, en fait, tu peux choisir un pot avec chaque émotion dedans. Donc là, par exemple, ce pot-ci, c'est avec émotion. C'est vrai que les trois pots-ci, c'est avec émotion. Et celui de ma mère, j'ai pris des versets et mots d'amour. Donc, c'est pas avec émotion à l'intérieur. Le mien et celui de ma copine, c'est avec émotion. Et par exemple, celui de mon mari, c'est avec courage. Donc, en fait, allez sur le site, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Donc, lui, par exemple, il va le poser sur son bureau et chaque matin, il peut en lire un. Donc, lis-moi quand tu as besoin de repentance, protection, foi, doute, amour, adoration. Donc, on va dire, par exemple, il a un moment de doute, bah, il va ouvrir et il va prendre la couleur verte. Du coup, j'en ai pris un au hasard. Ça dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Donc voyez, tout à l'heure je vous ai dit dans grand goût, quand tu doutes, tu sors un verset, j'ai pris au hasard, de la couleur qui correspond à ce que tu as choisi et tu lis quelque chose en fait qui va te redonner de la force, qui va t'encourager et qui va te redonner de la foi en fait. Donc en fait, pour te rappeler que Jésus, il est toujours avec toi, ton Dieu, il est toujours avec toi, il te laisse pas tomber. Donc continue, ne crains rien et ne doute de rien car il est toujours avec toi. J'aime trop en fait le concept. Pour mon mari, j'ai pris courage. Et pour le reste de mes personnes, sauf ma mère, je lui ai pris des versets d'amour et des versets et mots d'amour. Je vais vous montrer la différence. Donc, je vais ouvrir le mien, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, le mien, et vu que moi, c'est avec les émotions, vous voyez bien qu'il y a différentes émotions, heureux, reconnaissant, colère. Moi, j'ai choisi le premier qui est être heureux. J'aurais même pu prendre la reconnaissance parce que je suis très reconnaissante cette fois-ci. Mais voilà, donc du coup, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. C'est juste trop bien, je trouve en fait que c'est vraiment très bien pensé, c'est en fonction des couleurs. Voilà, quelque chose que tu poses sur ton bureau ou dans ta chambre, le soir, t'en lis un tous les soirs. J'aime trop. Et si tu veux même pousser encore plus loin, tu vas lire le verset que ça dit en fait, tu vois. Donc, tu vas lire le verset Ésaïe de tout à l'heure que je disais par rapport à celui de mon mari. Et tu continues à lire tout le chapitre si tu veux. J'aime trop. Je vais vous montrer du coup les versets et mots d'amour. Du coup, ici, par exemple, pour celui de ma mère, il n'y a pas écrit « Lis-moi quand tu es triste » ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que elle, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui offrir quelque chose vers ses mots d'amour. Donc, sache que tu es un joyau précieux dans les yeux de Dieu, façonné avec amour et soin. Trop cute. Donc, en fait, elle va lire, elle va en poser un sur son bureau. Je pense qu'à la fin, je lui offrirai quand même une émotion parce que voilà, elle peut en avoir deux. Et c'est juste trop bien parce que voilà, elle va lire un chaque jour. Et à la fin, elle aura fait le tour. J'aime trop l'idée. Franchement, je soutiens, je supporte. Je ne connais pas du tout la personne. Et je me suis dit, pourquoi pas apporter mon soutien. Et surtout, c'est quelque chose que je veux vous apporter à vous, les abonnés. Quelque chose qui peut vous aider aussi dans votre vie quotidienne. Donc, pourquoi pas vous partager. Comme je vous ai dit, les liens vont être dans la barre de description. Et aussi, je me suis entendue avec la personne. Si elle a pas mal de commandes, elle m'avait proposé de faire un partenariat affilié. C'est-à-dire que j'aurais des commissions dessus. Je lui ai dit, franchement, je ne fais pas ça pour les gains. Ça ne m'intéresse pas trop de recevoir de l'argent, entre guillemets. Mais je préfère que si elle a pas mal de commandes, et bah qu'elle offre des pots gratuits à mes abonnés que je choisirai. Donc voilà, donc s'il y a pas mal de commandes, elle me dira. Et voilà, je pourrais choisir peut-être une ou deux personnes à qui je pourrais offrir un pot ou deux pots gratuitement. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Anyway, je vous ai assez raconté par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop cute. Et vraiment, j'aime trop les gens qui font le travail de Dieu sur cette terre, c'est-à-dire qui réconfortent les autres. Et j'aime trop. Regardez les petits mots qu'il y a dessus. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17:17, Sandrine. C'est trop cute. Pour ma mère, c'est quoi? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre. Ah, c'est la même chose partout. Ah non, mais après, comme c'est pas les mêmes personnes, donc c'est bon. Et moi, j'ai quoi? J'ai l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça résonne bien avec moi actuellement. Pour mon mari, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Trop bien. Et pour ma belle-sœur,
que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Trop cute. Franchement, j'aime trop. Anyway, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, si vous avez découvert grâce à moi. Et n'hésitez pas à les commander si vous en avez besoin ou pour offrir. C'est toujours bien. Salut, hello tout le monde. J'ai pas eu le temps de vous faire l'intro depuis tout à l'heure. Tout simplement parce que j'étais en mode speed. Trop de choses à faire. Là, du coup, ouais, je suis avec les enfants et Armel, il est en train de me déposer à la gare parce que je suis en train de partir à Paris, comme vous avez pu le comprendre dans le titre de la vidéo. On va parler beaucoup plus tard, tout simplement, parce que là, I am rushing. Les enfants, s'ils m'ont stress out avant que Armel arrive, que je me prépare en 2 secondes. Littéralement, le temps de me verser de l'eau sur moi et de mettre la perruque. C'est tout, j'avais pas le temps. Bref, en tout cas, on arrive à temps, même en avance, même, donc en vrai, ça va. Donc, on va être là. Et si tu veux, je te gare. Hein. Tu sais que moi, je gère hein, le garage. Dis-moi si t'as besoin d'aide. N'aie pas honte, hein, hein chérie. Ah, ouais, donc je suis en train de partir à Paris. Je vais passer une petite semaine en famille. Ça va me faire du bien de me reposer. Et je laisse Armel avec les filles. Ils seront en vacances. Ils vont faire plein d'activités. Enfin bref. Anyway, let's go. Abonnés, c'est la soeur de Dalia Rennes. C'est moi qui ai fait son départ de Microlox avec ma mère. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs sections dans ses cheveux pour essayer plusieurs tailles de Microlox et qu'elle voit ce qui lui convenait. C'est vrai qu'au départ, on a pris un peu plus gros, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas ce qu'il lui fallait, même si elle voulait moins de 300 locks. On a ajusté le tir et du coup, on est passé à des locks un peu plus petites, comme ce que vous allez voir au prochain clip. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et au final, elle a 322 locks, je crois, et avec des extensions. Donc franchement c'était pas facile parce que comme elle est enceinte comme vous le savez, et ben elle n'était pas du tout confortable à rester assise autant de temps. Donc voilà, je la coiffais même endormie parce qu'il fallait bien qu'on avance. Et surtout j'ai fait une petite astuce, c'est que je nattais ses cheveux avant de commencer à rajouter les extensions. Comme ça, ça me permettait d'avancer et de faire tous les petits carrés qu'il fallait faire. Comme ça après on allait rajouter juste les extensions. C'est ce qu'on a commencé à faire avec ma mère comme vous le voyez là. Et voilà, donc c'était pas mal. Franchement, ça a pris beaucoup de temps, elle était fatiguée, mais ça va. Franchement, elle est contente du résultat, donc c'est tout ce qui compte. Une fois la coupe terminée, j'ai mis un peu de mousse, parce que comme ce sont des extensions, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et ça a donné un peu de forme, et ensuite j'ai coupé toutes les petites pointes pour vraiment que ça lui donne une jolie coupe. Et voilà, donc maintenant on va resserrer toutes les 6 semaines. Et plus tard, votre star va apprendre à resserrer elle-même ses cheveux. Franchement, les Microlox, ça nous apporte, quand je dis nous, c'est vraiment ma mère, ma soeur et moi, ça nous apporte une liberté. On se lève le matin, on est prête, donc franchement, ça vaut la peine. Et pour toutes celles qui ont des questions au sujet des Microlox, vous pouvez me retrouver dans les commentaires et je vous réponds sans souci. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Insta, ici sur YouTube et sur TikTok sous le nom de Reine Microlox. Yo les amis, j'ai l'impression que ça fait 4 semaines, j'ai pas filmé, mais bon, non. Le dernier clip que vous avez vu, c'était quand j'étais en train de me coiffer. Et du coup, je suis rentrée et j'étais tellement KO. Je vous dis, je vais vous donner un update tout à l'heure quand je vais vraiment être assise, bien préparée et tout. Mais j'étais trop fatiguée. Chez ma soeur, je crois qu'on a fait 24 heures, un jour et un peu plus de coiffure. Mais pour une femme enceinte, rester assise comme ça pour se coiffer des Microlox, c'est trop long. Pour vous dire, j'étais trop épuisée. Du coup, je suis rentrée, ça fait 2 jours que je dormais chez ma mère. Mon t-shirt n'est pas repassé. Super. Donc là, je suis chez maman et là, on est en train de partir chez ma soeur parce que j'ai pas mal de choses à faire là-bas, à filmer et puis tout simplement parce que je vais rester avec elle aussi. Donc, let's go. On repart chez ma soeur, là où on était, vous m'avez vu il y a pas longtemps. Et aussi, il faut que je vous donne un update parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Pas mal de choses à vous raconter. So, let's go. L'outfit, c'est ça. T-shirt, short, vous connaissez déjà en été. En plus, j'aime bien ici à Paris parce qu'il fait pas aussi chaud que dans le sud parce que dans le sud, je peux pas. Bref, je suis bien ici parce qu'il fait vraiment un peu plus frais. Donc voilà, anyway, let's go. Donc je vous montre ma tête, elle est comme ça, elle est juste trop, j'aime trop. Et je me réveille le matin, je suis coiffée. Attendez, quand j'arrive, je vais bien me poser, je vais bien vous expliquer, mais je me réveille le matin, je suis toute prête. I'm ready. J'aime trop. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. Yeah, yeah, it's nothing but love. I get it from above, and while everybody else getting up to no good, I'll be praising you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you.
serving you. Ouais. Ici, vous aimez pas la moustique? Non. Pas du tout. Tue-moi ça. Non, il est là-haut. Il est là-haut. Il est trop fort. Il est parti où? Il a disparu, frère. Ah ouais, il a disparu. C'est lancé? C'est lancé. Du coup, c'est bon. Je vlog, s'il vous plaît. Anyway, dans la vidéo. Hein? Il y a mes parents dans la vidéo. Je sais qu'ils sont connus et tout, mais. Il y a qui? Mes parents. Ils sont où? Ah ouais, enlève-le s'il te plaît. On recommence du coup. Il y a mon tableau, peut-être qu'on devra l'acheter, qui sait. Bref, les amis, du coup je suis arrivée chez ma soeur, mais en fait il est 16h MDR, je suis arrivée à midi, donc j'ai dormi comme d'habitude parce que I am out, I am KO. On a Winnie qui est là, mais je sais pas si elle va être dans la caméra. Parce que the last time she was here... C'est mieux, je parle pas. Je me cache au cas où. Ouais, elle se cache. Ceux qui se rappellent, se rappellent. Ceux qui se rappellent pas, c'est pas grave. Bref, petit update. Ce que je voulais vous dire, c'était que, ouais, donc ma coiffure, vous avez vu, du coup, c'est ma soeur qui a fait ça. Bon, faut que je recommence dès le début. Je suis donc venue me coiffer des microlocks. Plein de gens posent la question sur Instagram et tout, parce que, bah, du coup, entre temps, j'ai posté et tout, que je me suis enfin loxée. Oui, c'est une coiffure permanente. Vous voyez comme ça, ça a l'air d'être des nattes et tout. C'est totalement normal parce que ma soeur, elle dit que c'est un départ de locks, et les départs de locks, ce sera jamais comme elle ou comme Winnie. Ouais, Winnie aussi, c'est totalement loxé. Mais Winnie, c'est pas des microlocks, par exemple. Et ma soeur, c'est des microlocks. Genre, en fait, peut-être que là, en montant la vidéo, on va inclure des photos pendant que je parle. Mais ce sera pas encore en mode loxé totalement, genre comme ma mère ou comme ma soeur, simplement parce qu'eux, ils ont genre 2 ans de locks. Merci beaucoup, Flo. Ils ont 2 ans de locks. Ah, miskine, j'ai pas pris l'exemple de Flo. Parce qu'elle a fait des cheveux assez longs. Mais il n'y a pas à faire ça, t'as rien. On ne voit pas, c'est loin. Il n'y a rien. Non, mais tu rajoutes après. Il n'y a rien. Tu arrives à attacher. Si, elle est loxée. C'est juste qu'elle arrive à attacher. Tu arrives à attacher tes cheveux. Moi, j'arrive à attacher, c'est vrai, pardon. T'arrives à attacher? Si, elle arrive. T'arrives à attacher? Je veux faire des barrières. J'ai oublié. Tu veux que je te passe un chouchou pour que tu joues? Ils sont même pas mouillés, je peux attacher, d'accord? Ouais, c'est vrai, elle peut attacher, c'est vrai. Mais non, 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 tu peux attacher. Les règles vont se compter. Ça, c'est pas attaché. C'est vrai. Ça tombe derrière, c'est pas attaché. Moi, tu veux que je montre comment on attache? Et tu fais grave la belle. Mais bien sûr que je fais la belle. Vous avez vu ma coiffure ou pas? C'est qui fait des ponytails? Arrêtez ta vidéo. Il n'y a pas arrêté la vidéo en fait comme ça. Non mais attends, c'est qui arrive à faire les ponytails en fait? Mais pourquoi tout d'un coup vous me répondez plus en fait? Bref, en fait, voilà ça de pony. Non mais toi et moi, non, mais on n'a aucun problème. Ouais. Toi, je suis totalement d'accord. Tu vois. On a bien triché aussi. Il n'y a pas de souci. Mais on leur a pas demandé de pas en mettre. Parce que c'est des rageux, tu vois. J'avoue. On vous a pas demandé de pas en mettre. Vous aurez pu commencer. Est-ce qu'on refuse l'eau? Oui. Non. Bref, comme vous pouvez voir, les amis, on a pas mal de désaccords dans cette maison parce qu'il y a 4 autres personnes qui sont loxées ici et il y en a 3 autres qui sont des rageux. Moi, je dis les loxés aux loxés. Exactement. Que les gens qui sont avec des gens ici qui ne sont pas loxés parlent aux gens qui ne sont pas loxés. Moi, dans tous les cas, je ne sais pas pourquoi vous voulez rager sur moi. Parce qu'en fait, c'est des rageux parce qu'ils trouvent que j'ai triché parce que, genre, j'ai des extensions. Mais j'ai envie de poser la question du coup. C'est qui a acheté les extensions? En fait, c'est sur la tête de qui? C'est au bout des cheveux de qui? Donc, c'est pour répondre à votre question que du coup, ça veut dire que c'est mes cheveux, ça, à moi. Et vous êtes juste des rageuses. Voilà. Mais il n'y a pas à rager autant. Moi, je pars du principe que si j'ai payé les extensions, merci. Poser les extensions, c'est que ça à moi. C'est mes cheveux. Alors, donc, mon update, j'étais en train de vous dire que, en fait, on m'a posé la question, ouais, c'est parce que du coup, c'est un départ de locks, donc vous voyez que ça ressemble à des nattes et tout, c'est totalement normal. Ça va ressembler à ça et que tous les mois, ma soeur va devoir donc retire. Comment on dit ça en français? Resserrer. Elle va devoir resserrer et tout à chaque fois. Et c'est au fil du temps, c'est-à-dire d'ici 1 an, 2 ans, que genre limite 3 ans, que toute la longueur de mes cheveux seront, enfin tous mes locks seront loxés, tu vois. Et par rapport au... Non mais vous me perturbez parce que j'entends bavarder en fait. Vous voyez, vlogger dans une maison avec la famille, vous voyez, c'est impossible en fait. Mais d'ailleurs, pourquoi quand t'as parlé, tu vlogs pas? Voilà.
Mais bref, donc en fait, on me demande du coup les extensions, on en fait quoi après? En fait, ce qui se passe, c'est que tu dois avoir, je crois que mes cheveux, ils sont jusqu'à là, si je regarde bien. Et après, tout ça, c'est les extensions. Et chaque année, admettons, j'ai eu ça de pouce, bah du coup, ma soeur, elle va peut-être me couper ça, tu vois, d'extension. Ou ne pas couper du tout, ça dépend de comment est-ce que ça vieillit. Et du coup, ça fait qu'après, à la fin, bah, tu peux récupérer totalement tes cheveux et enlever totalement les extensions, pour ceux qui se posent la question par rapport aux extensions. Voilà pourquoi c'est hyper important de prendre des extensions naturelles. C'est ça, hein, naturel. Mmh. Hein. Oui. Parce que même Winnie, les extensions qu'elle a sur la tête, certes, c'est pas des micro-locks, c'est toujours des locks, mais c'est naturel aussi. Parce que, bah, entre-temps, c'est... Enfin, je sais pas si vous comprenez bien qu'on les garde à vie. Hein. Donc, c'est sur tes cheveux, tu les laves, tu dors avec, tu transpires avec, tu fais toi avec, comme tes cheveux. Mmh. Tu peux même colorer. Tu peux même colorer. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que ce soit naturel. Genre, on va pas prendre des expressions pour faire ça. C'est pas possible. Parce que sinon, bah, c'est du synthétique, ça va se gâter. Et vous allez me demander le lien de ces mèches-ci. C'était une collab. C'était une collab que j'ai fait sur Instagram. Sur, ils sont bien, franchement, ils sont top. Mais par contre, il va falloir que vous les détachiez vous-même. Je sais pas comment expliquer. J'ai même plus le paquet avec moi. Vous voyez comme ça, comment est-ce qu'ils sont là. En fait, du coup, il va falloir les séparer, genre, comme ça, pour pouvoir sortir la mèche à chaque fois. Et ça prend trop de temps quand t'as une tête de. Ren, j'ai combien de locks? 300. Non, 200. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit 300 et quelques. 324. Ouais, 322 ou quelque chose. 300 quelque chose. Donc, je suis à déjà 300 et quelques locks. 330, on va dire. Moi, de base, mon but, c'était de faire 200. J'aurais aimé faire 220 locks, 250 locks. Comme ma soeur me demandait au début, etc. Parce que, comme vous savez, mon travail à côté, c'est d'être wig influenceur. Donc, j'ai besoin tout le temps d'avoir les cheveux cachés, entre guillemets, pour pouvoir poser des wigs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'aurais voulu avoir pas trop de volume. En vrai, je suis tellement contente d'avoir fait ça. Parce que j'ai archi du volume, j'aime trop. Et surtout, ils sont petits. Au début, on avait pris gros. Si vous regardez derrière, là, c'est plus gros ici. Je ne sais pas de quel côté c'est. Mais en tout cas, il y a un côté qui est beaucoup plus gros et on n'aimait pas du tout le rendu. Et même ici, elle a pris un peu plus gros. Mais genre, ce qu'on aime bien à la fin avec ma soeur, c'est plutôt ici. Genre, vous voyez comment c'est petit? C'est vraiment en mode micro-micro-lock. Et ça, c'est ce qu'on aurait aimé avoir sur toute la tête. Mais tu sais, quand tu commences et le temps que tu t'adaptes et tu trouves la bonne taille, etc. Bref, avec ma mère et ma soeur. Ça nous a pris plus d'un jour, hyper épuisant. Mais bon, le rendu, il est magnifique et j'aime trop. Juste me lever le matin et être prête le matin, vous en rendez pas compte à quel point c'est une grâce. Et c'est vraiment genre, en fait, tu te lèves et t'es prête. Et j'aime trop. Parce que t'as plus besoin de réfléchir. Ah, faut que je cache mes cheveux, mes nattes sont pas faites, etc., etc. J'aime trop. En plus, avec cette chaleur, c'est juste parfait pour moi. Et tu peux faire toutes les coiffures que tu veux. Là, je vais par exemple les attacher, je vais le mettre sous un bonnet pour pouvoir tourner une wig. Bref, ta vie, elle change en fait avec... avec des micro-locks. Donc, je suis juste trop contente. Ça va faire quelques jours que je les ai et je suis juste trop contente. Et je peux les attacher moi. T'es en train de chier là? T'es en train de chier? Allez, même maman, elle sait qu'elle ne peut pas parler parce qu'elle, elle ne peut pas les attacher aussi. Donc, voilà, donc c'est ça le gré que je voulais donner par rapport à mes cheveux. Je vais vous mettre le lien de ma locticienne, du coup, qui est ma soeur, si vous posez la question dans la barre de description. Je vais vous mettre sa page Instagram, TikTok, parce que c'est... beaucoup plus sur TikTok qu'elle fait tout ce qui est vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir, vous renseigner les différentes méthodes et tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et me demandez pas le prix parce que du coup, moi, c'est ma soeur. Du coup, je les bribe. Elle n'a pas trop le choix que de me coiffer gratuitement. De toute façon, c'est ma soeur. Mais et je sais que ces prix, ça dépend en fonction du nombre de locks que vous voulez faire. Genre, si vous voulez faire des un peu plus grosses locks à la taille de Winnie, ça va être moins long que les miens qui sont des micro-micro-locks. En plus, je crois qu'elle ne fait pas ça, hein. Elle ne fait que des micro-locks. C'est moi qui fais ça. Voilà, voilà. Winnie, elle fait... Voilà. Voilà. Si vous... il y a deux options. Il y a Winnie, que je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'on va bien la montrer, bien montrer ses locks, surtout, qui sont plus gros. Ça s'appelle comment, toi? C'est pas micro-locks, c'est locks. Locks, elle les fait, du coup, cette taille-là. Et ma soeur fait des micro-locks. Donc, voilà. Si vous préférez des plus gros locks, vous avez le choix avec Winnie. Et si vous préférez des micro-locks, vous avez le choix avec ma soeur. C'est ça. J'avais eu quoi d'autre comme question? Oui, on peut les laver, on peut les teindre. On peut faire tout avec. Et ouais, donc la seule chose que j'aurais à dire par rapport à la collab que j'ai fait par rapport à ces mèches-là, ils sont bien, mais c'est juste que faut les sortir. Et pour les locksiennes, c'est pas cool, quoi, tu vois. Et je sais que ma soeur, si vous allez chez elle pour faire un départ de locks, elle a ses propres fournisseurs avec ses propres mèches, donc ce sera autre chose. Et aussi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre des extensions dessus? Parce que c'est pas mes cheveux totalement dessus. Tout simplement parce que je voulais pas passer par la phase que mes locks ils aient cette taille, quoi. Parce que mes cheveux ils arrivent là. Vous connaissez la taille de mes cheveux avant. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, mes cheveux ils arrivent là. Je voulais pas avoir. C'est ridicule. C'est ridicule. Et je me rappelle, ma mère elle est passée par là parce qu'elle a commencé ses locks comme ça. Franchement, moi je suis devant la caméra tous les jours. Flemme. D'avoir des pic comme ça. Ma mère, c'était très beau, c'était très bien, mais elle s'en fichait un peu, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, ces locks sont super longs. Vous avez vu ma mère dans le vlog de l'anniversaire de Malia.
ça lui arrive ici, ses cheveux maintenant. En 2 ans, maman, ça fait 2 ans. En 2 ans de lock, ça lui arrive ici à ma mère. Tu vois, ça a bien poussé. Mais moi, j'ai pas ce temps-là, en fait. J'ai pas cette énergie. Et j'ai pas cette patience. Avec 3 enfants, I do not have the time. Non. Donc voilà, autre update aussi. J'allais raconter une histoire que je ne l'ai pas encore dit, mais si c'est bon, je l'ai dit. Que je vous ai raconté sur Instagram et tout. Du coup, le dimanche dernier, un vlog devait sortir, mais il n'est pas sorti. La story time est plutôt sorti, tant mieux, parce que de toute façon, la story time, il fallait qu'elle sorte à un moment donné. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de venir en fait à Paris, du coup, je suis tombée dans les escaliers de chez moi. Malienne, ouais, je suis tombée. Regarde tes mains, j'ai encore mon bleu ici. T'as vu? Tu le vois? Ouais, mais t'as pas vu le truc, le post sur Instagram même? Tu m'as dit ça va? T'as vu? Non. Bon, t'as loupé, tant mieux. Moi, je suis pas au courant. Mais bref, du coup, je suis tombée. Écoute l'histoire. Je suis tombée dans le... Genre, tu vas informer en même temps que tes abonnés. Et c'est ça, en fait. Je suis tombée dans les escaliers. Mais c'est parce que c'était pas grave, en fait. Enfin, ça m'a fait mal après. Pourquoi ça, c'était pas grave? Mais si, c'était pas grave. T'es tombée dans les escaliers. Mais c'est maintenant que je vois même que le bleu, il est vraiment... Bah, il a tourné bleu, quoi. Tu vois? T'as vu? En fait, c'est pas mieux. Tu m'as pas dit au moment où ça s'est passé. Ouais, mais c'était vraiment pas... Enfin, c'était pas grave. Je l'ai pas senti comme ça, en tout cas. Mais ce qui s'est passé, c'est que... j'étais en bas et Malia, elle était bon, dans sa chambre en même temps, il était 2h du matin. Et le temps que je monte et tout, je l'entends hurler et j'entends Malia hurler. Mes enfants, ils ne se réveillent pas la nuit. Tu les couches à 20h, ils dorment jusqu'au lendemain matin. Ils ne se réveillent pas la nuit en hurlant ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas comme si je suis habituée à ce qu'ils fassent des cauchemars ou quoi que ce soit. Et là et tout, elle a commencé à pleurer. Du coup, j'ai paniqué. Et j'avais déjà mes affaires pour monter. Genre, tu vois, genre le téléphone dans la main, la caméra, l'eau et tout et tout. Oh, j'ai paniqué. Je monte en courant. Bim, je tombe dans les escaliers. Je pense que c'est ma jambe qui a vraiment plus retenu tout le poids de mon corps, entre guillemets. Mon ventre, je me suis fait mal sur le bas du ventre et tout. Après, ça ne m'a pas vraiment totalement inquiété parce que non seulement je suis d'abord inquiète pour les filles, mais en plus de ça, la même nuit et le lendemain, j'ai senti bébé bouger, mais comme d'habitude, tu vois. C'est pas comme si. Tout d'un coup, il n'y avait plus de mouvement. Et sachant que c'est un bébé très actif, je la sens vraiment toutes les secondes. Du coup, ça ne m'a pas vraiment inquiété. Mais 2-3 jours plus tard, c'est pas je vois, j'ai un bleu sur la cuisse carrément. Jusqu'à présent, il est toujours là. Et au bas du ventre, ça me faisait mal et j'avais des contractions. C'est là que j'ai su que je m'étais vraiment fait mal ou qu'il y avait eu quelque chose, tu vois. Mais après, je ne suis pas allée aux urgences ou quoi que ce soit, tout simplement. Parce que bah, tant que tu sens bébé bouger comme d'habitude et que, je sais pas, tu perds pas du liquide, tu perds pas du sang... ce genre de choses, bah c'est pas grave et du coup j'ai laissé passer. Mais ouais, donc c'est ça qui a fait que le vlog n'est pas sorti parce que j'ai arrêté de vlogger pendant quelques temps, tout simplement parce que j'étais en mode ah mais je me suis vraiment fait mal en fait. Donc voilà, les deux objets que je voulais vous donner. Donc petit programme aujourd'hui, Winnie elle est là, du coup je vais en profiter pour qu'elle me maquille tout simplement parce que j'ai la flemme. J'ai 3 wigs à poser, je vais revenir en tout temps pour vous montrer. Et ouais, voilà, donc là je suis à Paris pendant quelques jours encore, je vais profiter avec ma famille comme d'habitude, voir mes copines. Et ça me fait du bien d'être sans mari, sans enfant et juste de pouvoir dormir toute la journée. Je me suis réveillée à 10h ce matin. Genre, quand est-ce que c'est la dernière fois que je m'arrive de me réveiller à 10h? C'est le bonheur là. C'est la belle vie. C'est juste trop cool. Mes filles me manquent bien sûr, mais franchement, c'est bien aussi de pouvoir se reposer. Après, j'ai dormi de midi à 14h. C'est quand la dernière fois que je peux dormir de midi à 14h? Je suis juste trop contente. Anyway, donc c'est un peu ça l'update. Sinon, bébé, moi, on va bien. Et ouais, donc Winnie va me faire un quick beat. Attends, faut bien qu'on commence. Ah oui, d'abord, je vais faire ton profil. Je sais pas comment vous faites ça. C'est vrai que j'apprenne à le faire. Et est-ce que ça pousse moins, moins vite que le... Comment t'appelles ça? Que la part supprime. En fait, tiens, ouais, faut que tu... Comme ça? Non, une main en haut. Ouais, et une main sur l'œil. Pour que je tire pas la peau. Ouais. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. You're the fire, you're the refiner. The refiner. I wanna be consumed. Oh, I wanna be tried by fire. Purified. Lord, take whatever you desire. Yeah. Lord, here's my life. I wanna be tried. Yeah. Pure revive. Lord, take whatever.
God, you call me by my name. The love you give me, I just can't deny. No longer blood. Mais attends, là, t'as du fond de teint. On dirait même pas qu'elle a du fond de teint. Elle a du fond de teint. T'as vu? On dirait même pas qu'elle a du fond de teint. C'est-à-dire que j'ai juste choisi ma bonne couleur, en fait, ce matin. C'est moi qui ai fait. C'est quelle marque? Elle a bien blindé. C'est moi qui les ai ramenés, mais c'est moi qui les ai. Elle a bien blindé, parce que si c'est moi qui le faisais, j'allais pas blindé comme ça. Pourquoi tu veux t'attribuer les crédits? C'est qui t'a donné les deux fonds de teint? C'est qui les a appliqués comme ça? C'est qui t'a dit qu'il faut mélanger les deux? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je suis désolée. Ouais, moi, je respecte le craft. Je suis avec Winnie. Merci. C'est mieux. Ou alors tu te mets en face. Dalia, t'es vraiment bien maquillée. Hein. Je me demande qui t'a maquillée. Hein. Les crédits, en fait. De haut. C'est super beau, hein, franchement. Maman, est-ce que t'as vu mes cheveux? Je crois que t'as pas vu mes cheveux, maman. A few minutes later. Du coup, petit update, les amis, j'ai fini mon make-up, comme vous pouvez voir. Juste trop cute. Winnie m'a maquillée. Franchement, elle a fait un beat. Et je viens de finir du coup de faire la collab des mèches, comme je vous ai dit, du coup des extensions que j'ai rajoutées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires par rapport au micro-log. Du coup, ma soeur vous répondra avec plaisir, parce que c'est son travail de répondre par rapport au micro-log, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Et ouais, c'est juste trop cute, j'aime trop. J'aime trop regarder mes cheveux, c'est mes cheveux. Les rageux qui disent que c'est pas mes cheveux, c'est juste des rageux. Genre, c'est-à-dire toute ma famille, vous êtes juste des rageux. Parce que pour moi, c'est mes cheveux. Anyway, je continue du coup parce que j'ai des wigs à faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des nattes et attacher tout en arrière pour pouvoir coller mes wigs et tout et tout et tout et tout. Coucou Doudou! Mon amour! A few moments later. Les amis, ça c'est un update pour le vlog. C'est juste pour vous dire que du coup je suis à ma deuxième week. J'ai fait une première week, j'ai oublié de vous montrer. Il est 21h, dites-vous. Je sais pas comment je fais pour être aussi lente, mais ça se voit que j'ai vraiment la flemme. Et je suis vraiment fatiguée en fait. Est-ce que je vous ai dit que ce matin j'ai dormi jusqu'à 10h? Et après, quand je suis arrivée ici chez ma soeur, j'ai dormi de midi à 14h. Pour vous dire à quel point je suis épuisée. En fait, c'est même plus être épuisée là, c'est exténuée. C'est de la fatigue mentale, émotionnelle, physique. Et là, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, il faut absolument que je filme parce que ces vidéos doivent sortir. Et depuis, on fait que Marcella. En même temps, ça fait longtemps que je les ai et j'ai pas fait grand-chose. Parce que je suis épuisée. Donc, bref. En tout cas, je suis contente d'avoir fait. Donc là, il m'en reste une autre. J'ai une flemme. Mais ma mère, elle me dit, fais-le. Et en soi, elle a raison. Comme ça, au moins, c'est fait parce que je suis déjà make-upée. Girl, I'm tired. Bref, donc là, c'est la petite dernière update. Je vais faire l'autre week et on va se retrouver que demain. J'ai pas mal de choses à faire avec maman demain. Et on va voir c'est quoi le programme. J'ai envie d'aller au cinéma. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis pas allée au cinéma. Ceux qui me connaissent personnellement savent que de base, j'aimais tellement le cinéma que j'avais. Vous en rappelez à l'ancienne quand tu étais étudiante, tu avais la carte UGC et tout à je sais pas combien d'euros par mois et tu pouvais voir les films gratuits tout le temps quand tu voulais et tout. C'est ça que j'avais. Je payais peut-être genre 40 euros par mois. Je sais plus exactement combien ce que c'était. Tellement j'étais accro aux films au cinéma. J'allais tout le temps, le mercredi après les cours et tout. J'aimais tellement ça. Mais depuis quand t'es maman et t'as des enfants et t'es mariée et tout, bah tu vas y aller quand? T'as tout le temps les enfants et toi, tu peux pas forcément, tu vois. Et là, je vous dis, je me rappelle pas la dernière fois, c'est quand je suis allée au cinéma. J'ai l'impression que la dernière fois que je suis allée au cinéma, c'était en 2018-2019. C'est choquant, on est en 2024. Waouh. Donc c'est pour ça que je vais en profiter cette semaine. J'ai 4 films que j'ai envie d'aller voir. Tous les soirs, c'est pas grave, j'irai voir mes films. Voilà. Ça, c'est mon défi à Paris d'aller voir que des films tout le temps au cinéma. So, c'est ce qu'on va faire. Anyway, on se parle demain. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le lendemain. Il est actuellement midi 10. Elles sont trop mignonnes les filles, je vous ai même pas montré leurs photos que j'ai reprises. C'est le dernier jour avant qu'elles partent en vacances. Bref, du coup, il est midi, je suis en train de manger. Je vais regarder la télé en mode de spi. Et maman, elle va revenir de son petit rendez-vous qu'elle a allé. On devait aller ensemble pour faire ses ongles. Mais finalement, elle est partie avec sa copine. Et après, on va sortir. Donc là, je mange. Je viens tout juste de sortir de la douche. Je mange, je m'habille et je rejoins maman. Je suis prête les amis, je vais donc au supermarché en rapide avec ma mère et après on part chez ma soeur pour me faire masser parce que j'ai besoin de massage. Mais c'est pas ma soeur qui me masse, c'est ma belle soeur qui me masse. Fly out the valley and the fire.
Train her feet for running. Show her every door and how the windows let the sun in. Copy out the key and tell her this is for becoming. Even in the fever, baby, cry and get to running. And tell her that you better get your bootstraps. Ça me fait trop bizarre, les gars, de faire ma première rentrée de mon enfant qui rentre en petite section. Là, je suis venue acheter un cahier parce qu'en petite section, il ne demande pas grand-chose. Donc, c'est juste un cahier. Bon, il y a d'autres choses que j'ai déjà fait. Mais là, je suis venue prendre un cahier qu'il demande. Et ils ont demandé un cahier 140 pages, 24 x 32. Donc, c'est ce que je suis venue chercher. Maman, tu fais la première rentrée de ton deuxième petit enfant. Ça te choque pas? Non. Tu as déjà fait ça pour un run il y a combien de temps? 160 pages, je ne vois que les 180 pages. 140, pas 'est terriblement en retard aujourd'hui, c'est le lendemain, les amis. Mes copines elles vont me tuer, on a rendez-vous à 14h. C'est mieux, je dis pas l'heure parce que quand elles vont voir ça, elles vont péter un plomb. Je suis archi en retard et il est déjà 14h et plus. Donc, let's go, let's go. You're with the army, ready when the truth act up, nothing can harm me. Yelling from the roof, I touch, put up a guard and count to 10. Lion's den, speaking with the higher pen, can't be touched by fire then. Fast forward to the grown things now, I'm working on them soul things now. Forgiving all your old ways, but it's harder on the cold days. Cold days. Never been a product of a flawless environment. Never acted like I'm higher than Comme quoi starter pour grignoter au début les tapas là. Du coup, je suis arrivée avec 45 minutes de retard. Je suis avec Jessie et avec une autre copine qui ne veut pas être dans le vlog. Et Paris, non mais plus jamais Paris, les transports, c'est pas possible. Je sais pas comment vous faites dans votre vie de tous on les survit. Jours. Non mais vous survivez vraiment, c'est pas possible. Ah non non. J'ai eu des contractions dans tout le métro, j'habite à 10 minutes à peu près et je suis arrivée en 45 minutes. Bref, on va manger avec mes copines. You're a perfect man, got the whole world in your hands, but you're still reaching out for me. Ooh, why you love me too? I'm nothing like you. Opposite of holiness was what I was, but I'm to you. See my soul act, could you see why? Put my hand high, could you see why? Jessie, on a fini de manger au resto. Il y a Ashley, il y a Jessie. Les amis, je suis dans le métro, je suis en train de partir au ciné avec ma copine Sandrine. J'ai le temps de rentrer à la maison et acheter jusqu'à haut. Et là, on va au cinéma voir Track. Je suis arrivée au ciné, mais Mélie elle est au téléphone avec moi et elle fuit avec le téléphone pour pas que ses soeurs prennent le téléphone, ça me fait trop rire. Mélie, tu me fais un bisou? Elle fuit avec le téléphone. Listen, daughter, pay attention, pray and listen, hear your father. These lies they told us so familiar, they will haunt you, they will kill you.
keep you hostage. King would. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. Yo les amis, aujourd'hui du coup c'est le lendemain et je pense que je vais terminer la vidéo ici parce que j'ai pas grand chose à... Quoique non, peut-être que je vais faire passer cette journée et après j'arrêterai la vidéo, mais je me suis dit vaut mieux que je m'asseye pour parler parce que sinon j'aurai pas le temps. Généralement vous savez que je viens à Paris, je filme jamais, mais là j'ai fait l'effort de filmer parce que bah, j'étais là déjà assez longtemps, donc c'est-à-dire pour une semaine à peu près. Je viens de me faire cette coiffure juste trop cute, je l'ai copiée chez ma soeur, je l'ai vue hier, je suis allée chez elle et je l'ai trouvée trop cute, mais je sais plus si elle mettait ses deux... truc tombant ici ou là ou bien sur le côté, et je l'ai appelée pour revoir sa coiffure qu'elle avait fait hier et elle avait plus de quoi, elle a plus la même coiffure, elle avait changé, bref. Donc mais j'aime trop la coiffure, c'est cute. Anyway, donc généralement ouais je viens rapidement, je viens genre un week-end et tout, et là comme je suis là une semaine je me suis dit allez je vais vlogger, et surtout bah j'ai plus eu le temps de me reposer, de voir mes copines et tout. Mais en tout cas voilà, ce petit cette semaine, pas cette petite semaine mais cette grande semaine à Paris m'a fait un plus grand bien. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué, tout le monde n'arrête pas de me le dire, mais même moi, là, je l'ai vu. Et je l'ai vu que hier, non, avant-hier, quand j'ai filmé les perruques et tout, parce que j'ai vu cette photo. Attendez, je vais vous montrer. Je vais l'inclure là, dans la... Ou si pas besoin de l'inclure, peut-être que vous voyez bien ici. J'espère que vous voyez bien. Si vous ne voyez pas bien, je l'inclus dans la vidéo. Mais j'ai vu cette photo et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai trop maigri. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais maigri. Je pense que j'étais fatiguée. Parce que là, je vois sur mon visage une fatigue extrême. Et encore là, je suis maquillée. Alors, sans maquillage. Et surtout, je vois à quel point j'ai maigri du visage. Généralement, genre, et tout, j'aurais pu maigrir. J'ai maigri du corps. On me disait, mais Dalia, t'as vraiment perdu et tout. T'as vraiment maigri. Mais là, je vois que j'ai maigri même du visage. Même ici, genre, tu vois que j'ai maigri. Même déjà, Là, tu vois, surtout quand je porte des habits comme ça, dans cette forme-là, on voit bien que j'ai vraiment perdu du poids. Et j'étais là en mode, waouh, c'est énorme. C'est pour ça que franchement, troisième grossesse, mais une grossesse qui m'a tellement menacée. Mais c'est pas que la grossesse, c'est plein d'autres choses aussi à côté. La vie en général, la vie d'adulte, comme on dit. Et ouais, j'étais là en mode, waouh, ok, ça fait limite peur. Après là, ça va, je suis pas... c'est pas comme si je suis descendue à 65 kilos et qu'avant j'étais à 77. Tu vois ce que je veux dire? Genre 10 kilos, moins 10 kilos, j'aurais été en mode... Ok, peut-être que j'allais voir ma sage-femme et qu'elle me dise, tu vois. Mais là, ça va, je pense que je suis juste à peut-être moins 2 kilos de mon poids original. Donc, j'étais à 77 avant grossesse. Peut-être que là, je suis passée à 75 et que j'ai encore perdu là. Mais j'étais en mode, waouh, ok. Donc, je vais rentrer. Je vais juste hyper prier que... En fait, c'est pas parce que je perds du poids que je suis pas en bonne santé, voilà. Tant que je suis en bonne santé pour moi et le bébé, c'est l'essentiel. Donc là, je fais que prier, mais quand je vais rentrer, je vais vraiment, vraiment mettre ça en prière. Tant que le bébé va bien, moi aussi, je vais bien et la santé va bien, c'est l'essentiel. Parce que ça, c'est vraiment le plus difficile, tu vois. Genre en mode que non seulement tu perds du poids comme ça, mais en plus de ça, genre du côté santé, ça ne va pas. Et ça, c'est le plus inquiétant, et surtout le bébé, tu vois. Franchement, en tant qu'elle est grandie bien, en plus j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour la voir, pour voir comment est-ce qu'elle est, etc. Si elle grandit bien, si tout va bien. J'espère que tout va bien, mais après je le sens de toute façon qu'elle va bien. Mais j'espère qu'elle prend bien ses kilos et que ce ne sera pas un petit bébé ou quoi que ce soit. Parce que je ne m'alimente pas assez, etc. Il y a plein de gens qui me disent, mais Dalia, t'as beaucoup maigri. Comment est-ce que tu fais pour ne pas prendre du poids pendant ta grossesse? Les filles, sachez que quand on est enceinte, le but n'est pas de prendre du n'est pas de ne pas prendre du poids. C'est normal de prendre du poids. Bon, c'est vrai, il ne faut pas non plus en prendre 35. Mais c'est totalement normal de prendre des kilos. Donc, ne vous inquiétez pas. Vaut mieux en prendre que de ne pas en prendre dans mon cas. Et que voilà. Mais après, de toute façon, même si vous n'en prenez pas comme moi. Parce que je sais qu'il y a des gens, toute leur grossesse, elles n'ont jamais pris de kilos. C'est pas non plus inquiétant parce que la sage-femme, elle te le dit. Elle te dit que tu vas bien, le bébé va bien. C'est l'essentiel, tu vois. Mais bon, pour quelqu'un comme moi, sachant que j'ai déjà eu deux grossesses où je prenais bien du poids, bah, c'est un petit peu inquiétant. Même ma mère, elle me regarde en mode. Ok, t'es sûr que tout va bien? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu inquiétant. Mais bon, rien de grave. De toute façon, par la grâce de Dieu, on va bien. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire, que j'étais en mode... Ok. Ok, faut faire attention. Mais après, c'est vrai que je m'alimente normal, mais je mange vraiment moins que d'habitude. Donc c'est logique que je perde du poids parce que vous connaissez comment fonctionnent les déficits caloriques. J'aimerais totalement perdre du poids comme ça et manger moins quand je ne suis pas enceinte. Parce que du coup, ce serait bien. Parce que quand je suis enceinte, admettons que mes calories journalières sont, je ne sais pas moi, de 3000 calories. Je ne sais pas exactement combien c'est pour quelqu'un de mon âge et de mon poids et tout. Et que moi, je mange 5000. Vous comprenez bien que je prends du poids. Et c'est généralement ce que je fais en temps normal. Voilà pourquoi je fais tout le temps la salle de sport pour essayer de maintenir un peu. Parce que sinon, je suis en mode...
Donc, en étant enceinte, si mon poids, mes calories journalières sont de 3000 et que je mange que 1500 ou 2000, vous comprenez bien qu'à chaque fois, je vais chuter, perdre du poids. Et c'est ce qui est arrivé durant toute ma grossesse. Manque d'appétit total. On va me servir à manger ou quelque chose, je vais manger ça. Après, c'est à base de « j'ai plus faim ». Là, il est 13h, je dois aller manger avec ma copine. On va y aller tous ensemble avec vous. J'ai pas faim parce que j'ai bu du café et j'ai mangé une omelette il y a 3 heures et j'ai toujours pas faim. Et là, je peux ne pas manger jusqu'à 16 heures and I will be alright. Donc, je vais voir avec elle si elle a trop faim. Sinon, on va d'abord regarder le ciné et après, on ira manger après parce que on n'a pas très faim. Elle est moins en fait. Enfin bref, on va voir. Donc, ça que je voulais vous dire. Quoi d'autre? Ah oui, du coup, la story time de la nounou qui est sortie la semaine dernière. Ouh, comment vous dire? Quelle histoire? Je suis grave contente que cette histoire ait pu toucher pas mal de gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui puissent dire « Oh mon Dieu, je ferai beaucoup plus attention par rapport à mes enfants, etc. » Les petits commentaires négatifs, on ne calcule pas comme d'habitude. L'essentiel, c'est que vous ayez compris ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Et je pense que 99% des gens l'ont compris. Il y a peut-être 1% qui n'ont pas compris ou qui l'ont mal pris, etc. Mais tant que voilà, ça a fait en sorte qu'on soit tous au courant et qu'on soit tous en mode alerte au cas où s'il se passe quoi que ce soit avec nos enfants, c'est l'essentiel. Comment vous dire que là, ça fait une semaine que je suis pas avec mes enfants, mais ils me manquent tellement. Oh, mais c'est horrible. C'est bien comme c'est pas bien, parce que je suis tellement reconnaissante que Dieu m'ait permis de pouvoir avoir une semaine où je suis avec ma mère tous les jours. Je sais pas depuis quand c'est arrivé, je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand j'étais pas mariée, que j'étais célibataire et que je vivais avec elle. Et là, le fait de pouvoir venir une semaine rester chez elle avec elle, dormir avec elle, passer ma journée, mes nuits, regarder un film, je suis juste trop reconnaissante parce que c'est la première fois et je sais pas quand est-ce que ça pourra encore se reproduire, mais vu que je l'ai fait là, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire au moins une fois par an, c'est-à-dire venir sans enfant et rester juste avec elle et passer juste du temps avec elle parce que je trouve que ça fait hyper du bien. Et ça me fait du bien, ça lui fait du bien à elle et ça nous permet de juste rester ensemble en ne faisant rien. Parce qu'à chaque fois que ma mère elle vient de l'autre côté, donc chez moi, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à faire. Si c'est pas une naissance, si c'est pas un anniversaire, si c'est pas un événement, si c'est pas un déménagement, il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, je suis juste trop contente et trop reconnaissante d'avoir pu passer du temps avec elle, avec ma soeur, avec mes copines et tout. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et je suis contente. Donc là, je repars chargée à bloc. Et après, de toute façon, il reste 2 semaines. Après, c'est la rentrée, hein, vous connaissez. Après, ça va filer. Après, bientôt l'accouchement aussi. Donc, tout ça, ça va juste s'enchaîner. Ok, donc je vais vous laisser avec la journée d'aujourd'hui. Et après, le vlog sera terminé. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais manger comme hier, en fait. Je vais manger au resto avec ma copine. Sauf que c'est une autre copine. Je vois mes copines séparément. Parce qu'elles se connaissent tous, certes. Mais on n'a pas tous la même relation et on n'a pas tous la même intimité. Donc moi, je fais partie de ce genre de copine qui a une copine là, une copine là, une copine là. Mais j'aime pas tous les mélanger tout le temps. Genre un anniversaire, une baby shower, une naissance. Oui, ok, bah tout le monde va se voir. Mais genre quand je les vois comme ça, one-on-one, j'aime bien me concentrer sur chacune d'elles, catch up. Tu vois, genre en fait, mais or que tu vois, par exemple, mon mari, tout c'est du genre, il vient, il va ramener tous ses amis ensemble. Ouais, non, moi, je fais pas ça. J'aime pas mélanger tout le monde, en fait. Moi, j'aime bien avoir mon temps avec chaque patient parce qu'on a notre relation spéciale, tu vois. Et puis, il y a des choses qu'on a envie de se dire qu'on veut pas forcément d'autres personnes entendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'aime bien, genre, prendre du temps pour mes copines, genre, 101 time. Et c'est du quality time pour moi. Bref, donc là, on va manger avec ma copine Nadia, qui vit à Toulouse. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Vous l'avez déjà vu dans mes vlogs. Et du coup, ouais, donc elle vit à Toulouse et on devait se voir à Toulouse en plus cet été, mais finalement on se retrouve à Paris, donc c'est vraiment drôle. Donc on va manger au resto et après on va voir un film encore parce que j'ai envie de revoir un autre film au cinéma. Ça m'a trop fait du bien le film hier, il était trop bien. Si vous connaissez pas, je suis partie voir Trap, je vais vous mettre la petite affiche ici. Trop trop bien, vraiment un très bon film. Waouh, j'ai bien aimé, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses et tout. Donc franchement, si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le voir. Il est 13h, faut que j'aille. Je vais prendre le tram et je vais retrouver ma copine. I will sing of hope.
les amis, c'est la fin de la vidéo. Je suis venue faire l'outro. Donc, c'était juste pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé le vlog. J'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à commenter quelle a été votre partie préférée dans les commentaires. Likez la vidéo à fond. Les dédicaces vont s'afficher juste ici. Merci beaucoup de prendre le temps de commenter à chaque fois. Ça me fait super plaisir. Commentez, likez, partagez à fond. Comme d'habitude, vous connaissez, ça donne de la force. Ça me permet de continuer malgré tout. Donc, voilà. On se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo. Bye.